Bonjour à tous et bienvenue en direct sur 99media.org. Hello everybody and welcome live on 99media.org. Aujourd'hui, sur nos ondes, la manifestation des 10%. Today on the live stream, we're gonna have the 10% protest. 10% for the amount of people that have an handicap of any sort. Alors, 10% pour la quantité de la population qui ont un handicap d'une façon ou d'une autre. Dan. Daniel. Fait que c'est quoi que vous revendiquez exactement pour cette manifestation? On revendique nos droits. On est pauvres comme des yaourts. Le gouvernement juge qu'on a suffisamment d'argent pour vivre, alors qu'on n'a pas d'argent plus qu'ils nous en donnent. Moi, je vis avec une pension de 928 $ par mois. Alors, essayons de vivre avec 928 $ par mois, incluant un loyer qui en vaut au moins 550 $ par mois. On paye la télévision, on paye Internet, on paye le téléphone par la suite, on paye notre bouffe, notre linge, le shampoo. Ça équivaut à peu près à 850 $ par mois, toutes dépenses incluses. Il nous reste alors environ 50 $ pour vivre, pour nous extérioriser en tant que personne à mobilité réduite. C'est quelque chose d'inconcevable, mais le gouvernement rit de nous autres. Alors on est ici pour démontrer à quel point que en tant que personne à mobilité réduite, on est fort et puis qu'un jour, on espère gagner notre cause. Est-ce que la situation au niveau du transport à commun s'est améliorée dans les dernières années? La situation du transport à commun va de pire en pire avec les années. On est rendu seulement entre 5 et 7 stations de métro adaptées à Montréal, si je ne m'abuse. Alors qu'il y a au-dessus de 60 stations de métro sur toute l'île de Montréal. Et puis les autobus du transport en commun ne sont soi-disant pas, se disent adaptés, mais beaucoup de chauffeurs refusent de nous embarquer de fait qu'on va retarder leurs horaires de transport. Et j'ai appris qu'il va y avoir une vigile aussi après la manifestation. Exactement. J'en suis responsable de la vigile. À partir de 4 heures de l'après-midi jusqu'à 4 heures demain matin, je serai devant les bureaux du premier ministre pour dénoncer les multiples causes qui sont en notre défaveur. Et puis, en guise de solidarité, je me suis proposé. Parfait. Merci beaucoup. Merci. All live. Live again. All right. Et puis, si jamais il y a du monde qui voudrait venir me porter main forte devant les bureaux du premier ministre, je les invite. Plus nous sommes, plus nous allons faire entendre la cause. Bureau du premier ministre au coin de McGill et Sherbrooke. Exactement. Alors, toujours en direct du coin de la rue Cherrier et du parc La Fontaine sur les ondes de 99 Média ORG pour la manifestation des 10%. So we're still live from the La Fontaine Park in Montreal for the 10% protest. I'm not going to be able to do that.
Fixed income, like the thing, we're on CSST. Someone who is injured by CSST has fixed income, which is more higher than the welfare. That's the way it should be considered. Can you spell your name? L A U R E N. And that's your first name? Yeah. And your last name? Which is M O R E X S E T T E. Thank you so much, Laurent. No problem. Have a good march. You too. Okay, thanks for being here. Yes, my pleasure. I might just get a shot in here. Yeah. You want me? No, go ahead. Come on, go. Alors, la manifestation est appelée pour 13h30, soit en ce moment. Et comme à l'habitude, j'assume, on va avoir la petite demi-heure militante. Là, on attend que tout le monde arrive. On va faire la réunion. Le chandail de la CNT. Cool. Alors, il y a une cinquantaine de personnes de rassemblées en attendant le début de la manifestation. Around 50 people are assembled waiting for the protest to start. Salut, ça va? Ça va toi? Oui. Comment ça va? Ça fait chaud.
commence bien une manif, mais j'ai vraiment peur qu'ils se mettent à mouiller. Je traîne le gros kit au complet. Je n'ai pas le choix. Peux-tu reçu mon invitation pour mercredi? Pour mercredi, sûrement. Je l'ai envoyé par Facebook, mais... Mercredi... Moi, ça, c'est un rendez-vous médical. Sûrement, je vais l'avoir... Ben, en fait, je te dis... Merci. On est un... Hey! J'ai de quoi pour toi. Vas-y. OK. Allez-y. Oh, calvaire. Oh, fuck. Oh, my God, yes. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi et cool. Raïs. Oh, cool. Merci. Ben, il n'avait rien que deux. Si il n'aurait eu plus, si je n'aurais pas eu plus, mais bon. Bon, alors, on est toujours en direct. Il veut pas être. Fait que, oui, vas-y. Mercredi après-midi, comme ça, Ice Bucket Challenge. Mais on est 16 organismes à participer à le faire en même temps. OK. Parce que je me suis dit, moi, plutôt que le faire juste de mon bord, comme c'est une maladie qui touche l'accessibilité de ma vie, en fait, j'ai lancé des coups de bras. Fait que mercredi, 4h à 5h, à côté de l'espace La Fontaine, Ice Défi, Ice Bucket Challenge de groupe parmi les organismes à mobilité réduite. Donc, on a On roule au Québec, Qui roule, Execo, la COFAM, on a Corpus qui danse, on a Vue et Voix va être là. Le laboratoire, le CRIR va être là. On a Mémo. On a aussi le ROP HL qui va être là, peut-être le ROP MM. On est 16 organismes au total à faire le bucket ensemble pour la SLA Québec, étant donné que c'est une maladie qui touche directement l'accessibilité universelle et la mobilité réduite. Parfait. C'est mercredi, hein? Mercredi, 4h à 5h, à côté de l'espace La Fontaine, au parc La Fontaine, et le défi va se faire à 4h30 spécifiquement. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. T'es en direct, oui. Oui, je suis en direct. Tu peux aussi le mettre à ton agenda? Oui, ça, ça va sûrement rentrer à soir. Tout ce que je reçois sur Facebook apparaît sur mon calendrier, okay. Je comprends pas pourquoi ce qui n'est pas dessus. Mais... Ah, ben j'ai pas créé d'événement sur Facebook, je t'ai envoyé un message. Aha! Tu m'as envoyé un message? Oui. Ah. Ah, OK, moi je pensais que c'était. Salut Simon, en passant. Je vais fouiller mes messages. Je vais fouiller. Sam, j'ai pas vu ça passer. Un inbox. Oui, message sur Facebook. Ça, non, mais toi, c'est pas Facebook, c'est Christiane. Mais ça, c'est toi, je vous ai envoyé un courriel. Je pense que c'est encore mon vieux courriel. Fait que j'ai jamais reçu. Mais Christiane l'a reçu, puis c'est là qu'elle m'a envoyé. Ah ah! Et aux gens que je connais pas, que je veux connaître, ou que je connais, que je veux voir? Oui! Oui, ça, je l'avais manqué. Ça se peut qu'on va faire une autre histoire sur votre site web et votre. Alors, pour ceux qui sont abonnés à mon Facebook ou Twitter, je vais sortir l'information qui a été donnée pour un Ice Bucket Challenge qui aura lieu mercredi. Et voilà, ça devrait être sur mon compte Facebook et ou Twitter. Et Twitter. So I just had somebody announce a nice bucket challenge for the ALS.
that would happen here Wednesday afternoon at 4:30 at Parc La Fontaine in downtown Montreal. 16 different organizations are going to